Heureux d'être avec M. Woundi à la réunion des experts sur le règlement 14. Vous êtes le coordinateur de la plateforme de dialogue des transporteurs du Mali. Bienvenue, monsieur. Comment allez-vous? Ça va, merci. Merci. Alors, vous avez émis une série de recommandations quant à un suivi beaucoup plus régulé de l'application du règlement 14. Pouvez-vous être plus précis par rapport à vos attentes réelles? Vous savez, ça fait presque 12 ans qu'on est sur le règlement et l'application peine à se faire. Tout à fait. Maintenant, le plus important, oui, que les pays arrivent, oui, à le faire de façon concomitante. Bien sûr. Et pour cela, il faut aller par palier. D'accord. Donc le premier palier, c'était de lutter contre l'extrême surcharge. Oui. Donc il faut aller maintenant à un second palier pour que tous les pays puissent le faire de façon concomitante et de façon harmonisée. Ok, au niveau du Mali, le dialogue va bon train quant à l'application vraiment concomitante. Comme je l'ai dit, je suis le coordinateur de la plateforme de dialogue du secteur de transport. Les acteurs sont ouverts? Oui, il y a un comité de pilotage. D'accord. Qui a été créé par décret. Oui. Et que maintenant, de façon régulière, on se rencontre pour la mise en œuvre vraiment de ce règlement à travers des missions sur les différents corridors, à travers des missions sur les plateformes génératrices de plus de 200 000 tonnes. Merci pour votre attitude et votre disponibilité. Merci. À bientôt. Merci. Allez, au revoir.